Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct, mes amis. Partagez le direct. Coucou, tonton Francis. Tata Suzanne, bonsoir. Bon après-midi. Ce sont tes lunettes qui me retiennent encore ici. Ça se vend. C'est vendable. C'est vendable, tonton Francis. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Collectez-vous, collectez-vous. On va parler fort. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va cogner un peu fort. Partagez le direct. Il fait chaud. Oh Seigneur. Je vais me déshabiller. Oh, Douala. Douala, Douala, je souffre. Je vais me déshabiller. Oh. Si la poilue la vit ici à Douala, elle va seulement marcher avec les cheveux. Le corps sera comme ça là. Coucou Sandra. Merci pour les cœurs. Partagez le direct, s'il vous plaît. On partage, on partage, on partage, on partage. On partage, on partage. On partage mes cœurs. On partage, on partage, on partage. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bipez-moi le sac à puce là. J'espère que vous allez bien, mes cœurs. Alors, installez-vous confortablement parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas sur cette toile. Je suis très troublée en ce moment parce qu'il y a des réclamations que moi, la lionne, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que un énergumène comme celui de Amer Kamela peut être aussi méchant, aussi cruel, au point de souhaiter la mort à ses frères et sœurs camerounais, vient se mettre en mondovision devant 2000 personnes pour dire que quelqu'un d'autre est méchant. Ça, je ne comprends pas. J'ai envie de comprendre. Parce que ce monsieur a promis la mort à plusieurs Camerounais. Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler. Cognez les cœurs et les partagez. C'est le secret. Pourquoi vous signalez? Vous avez dit que vous êtes trop fort, non? Vous avez dit que c'est vous les papes, que vous voulez être les number one, que vous voulez être les puissants. Vous avez dit ça, non? Pourquoi vous êtes lâche? Vous signalez pourquoi? Toi, Oshika, pourquoi tu me bloques? Oshi Poilu, tu me bloques pourquoi? Tu as dit que tu peux m'affronter, non?
Tu peux affronter la lionne. Pourquoi vous avez peur de moi? Tout le monde fait les directs. Vous ne signalez pas. Vous êtes décidé à signaler les directs de la lionne parce que je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Même avec les postes, je vais vous laver et rincer. Et ça ne chauffe pas. Amen, Kamé, prends ta chaise, tu déposes tes noyaux froissés là. Tu m'écoutes. Dépose-moi tes mimbans froissés. Et tu m'écoutes. Tu ouvres grandement tes oreilles qui te servent de narine là. Tu m'écoutes. Ok? Tes testicules qui n'ont pas de sens là. Les mimbans qui ne servent à rien. Absolument à rien. Pense ça. Si tes testos là te servaient, c'est que tu es marié aujourd'hui à une femme. Les mimbans froissés. Et qui ne sait qu'à entrer là où c'est froissé. Là où même les vieux ouats t'ont refusé. Dépose tes testos là. Tu t'assois, tu m'écoutes. Avec ta putain là. Je suis forte. Tu me bloques pourquoi? Tu bloques la lionne pourquoi? Pourquoi vous signalez mes directs? On fait le direct ici, on a près de 300 personnes, on fait près de 1 heure de temps. On finit le direct, je vois 600 vues. Quand le direct monte 300, après ça descend 17, après 20. Pourquoi vous signalez mon direct si vous n'avez pas peur? Vous avez déjà vu ma faute signaler le direct de quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà vu ma faute signaler le direct de quelqu'un? Il faut être fair play. Quand vous vous attaquez aux gens, soyez fair play. Toi, Amé Kamé, alias Mimbang, froissé, tu as passé ton temps à te coucher dans ton lit, avec ta poubelle là. Vous m'avez provoqué. Vous m'avez tant provoqué. Vous m'avez insulté. Vous m'avez humilié. J'ai digéré parce que tu étais mon ami. Tu t'es attaqué à ma faute. Tu partages les lives où on l'insulte. Et c'est toi qui viens poser tes testicules froissés pour menacer les gens de mort. Hein? Prends. Il dit que tes noyaux, il dit que tes mimbans, tu as compris, Amé Kamé. Tes testicules, tu comprends? Tu poses tes noyaux au sol. Tu viens nous menacer. Tu dis que tu vas empoisonner les qui? Quand toi, tu as porté la machette pour menacer les gens, qui t'a parlé? Amé Kamé, qui t'a parlé? Tu crois que tu es qui? Tu es quoi? Tu m'as insulté avec ta petite copine de merde. Est-ce que moi je parlais? Est-ce que tu m'as vu? J'avais toussé. Je t'attendais au rond-point. Parce que je te voyais venir. Tu n'es qu'une merde. Et je vais te servir de la merde. Tu vas bouffer mes caca. Tu as compris? Tu vas bouffer mes caca, monsieur. Parce que tu ne sais qu'à ça. Tu sais seulement à manger des caca. Petit pauvrat, nulard. Qu'est-ce que les années en bain t'ont servi? Si ce n'est que pour vivre chez les femmes. Si ce n'est que pour squatcher chez les gars. Amé Kamé, tu es nul à chier. Tu ne connais rien. Tu ne sais à rien et tu ne peux rien faire à personne. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Je peux donner le poison. Tu es le seul à vouloir donner le poison aux gens. Tu crois que nous-mêmes, on ne peut pas te donner le poison? Tant que les cheveux de ma faute quittent un peu de sa tête. Va faire ça avec tes soeurs Bassa. Hein? Vos testicules que vous faites, on vous regarde là. Ne passez pas à côté d'elle. Hein? Parce qu'on vous voit venir. Vous avez compris? Appuyez-vous comme vous voulez. Appuyez vos noyaux. Testez-vous entre vous. Mais ne traversez pas ces centimètres. Parce que c'est là-bas. Je ne m'adresse pas seulement à toi. C'est là-bas qu'on vous attend. Quand vous allez traverser la ligne rouge là, c'est là-bas que vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi quand la poule picole l'eau, ça descend. Vous avez compris avec quoi? Un imbécile comme ça. Si elle voit le poison. Coucou Warichou. Coucou. Mon balatos une place. Tu crois qu'on a peur de toi? Tu es venu ici là. Allez dans ton village. Allez dans ton village. Tu as frappé les gens dans ton village, Amé Kamé. Tu as frappé les gens dans ton village.
tu as violé. Il y a Dougoudigi. Dougoudigi, tu as violé les petits garçons dans ton village. Tu as frappé les gens dans l'Iébimal. Est-ce que nous on a parlé de ça? Tu as vu ma faut parler? Elle est venue te fabriquer. Tu as porté la machette sur les Bamileke. Que tu veux tuer les Bamileke. Mafo est venu se placer devant les Bamileke pour te défendre. Mettre la barrière pour te défendre. Tu viens porter tes mimbangs froissés, tu déposes au sol, tu dis quoi? Que tu vas lui donner, tu vas donner le poison à qui? Tu es malade? Il y a quelque chose que tu fumes, l'anga qui fume là, elle te donne aussi. Petit ting-ting de ton espèce. Un plaisantin comme ça. Tu crois que tu peux faire quoi à qui? Toi, tu crois que tu peux, tu sais d'abord même à quoi? Hein? Tu sais à quoi, Dougoudigi? Dougoudigi, tu as violé un petit garçon, tu violais le petit garçon que tu présentais tous les jours devant l'écran. Tu violais cet enfant? Tu lui promettais les voyages? Tu violais les enfants? Il y a qu'un gars que tu n'as pas bina là-bas, en mentant. Oh, je suis voyageur. Hein? Non, non, je ne parle pas au Bassa, ma mère chérie. Ma mère Lila Sophie. Je ne parle pas au Bassa. Bonne arrivée, ma mère chérie. Un imbécile comme ça, tu parles, on t'écoute comme ça. Tu peux seulement. Toi, tu peux faire quoi à qui? Dougoudigi, on te laisse seulement. Hein? Je te respectais par rapport à ma foi. Hein? C'est elle qui est venue nous imposer ça. Parce que là où ma foi part, je pars. Une place. Je pars là-bas. Là où elle part, je pars. Dougoudigi, tu crois que tu sais à quoi? Tu ne peux rien faire. Pas syphilis. Pas syphilis, tu ne peux rien faire. Et vous n'allez rien faire à ma faute. Formez votre petite bande de carapaces, de saleté là. Vous ne passez pas dans ces 5 cm avec. Petit chien. Tu crois que tu sais à quoi? Un bandit, un frappeur. Où est l'argent des gens que tu avais pris pour mettre dans les business? Tu avais pris l'argent des gens? Tu avais pris l'argent des gens pour mettre dans l'Iébimal? Tu as frappé les gens? Tu as frappé les filles pour mettre dans l'Iébimal? Où est l'argent des gens à Mekamer? Tu as pris l'argent des gens que tu avais pris? Tu as dit que wow, tu veux mettre dans l'Iébimal? C'est où? Syphilis? C'est où? Tu viens, tu insultes les gens, tu coches les gens, tu prononces mon nom, tu me coches, tu m'insultes tous les jours avec ta petite copine de merde. Je ne parle pas, tu crois que c'est parce que j'ai peur de toi? J'ai toutes les vidéos où tu étais couché dans ton lit en train de me cocher avec ta poubelle là. J'ai tout ça. Pourquoi vous signalez mes pages? Vous signalez ma page pourquoi? Vous avez dit que vous n'avez pas peur, non? Laissez qu'on s'affronte. On voit qui est qui. Un énergumène comme ça, tu crois qu'on a peur de toi? Écoutez ce qu'il dit. Tu viens menacer les gens, tu dis que si on attaque Tanga, tu vas faire quoi? Quand vous-même vous vous couchez dans les lits, vous attaquez les gens qui vous parlent. Qui vous parle? Nous sommes sport, moi je suis sport. Depuis qu'elle insulte ma faute, depuis au moins 3 ou 2 ans, que cette mince chose, hein, cette artiste, attriste, insulte ma faux. Personne ne parle. Personne ne titube. Il n'y a que moi qui l'ai allumé dans TikTok. Aujourd'hui, quand on vous répond, vous faites des menaces d'empoisonnement aux gens. C'est vous ceux qui savez empoisonner. Vous savez que nous on dort où? Vous savez que je dors où? Vous savez que je dors dans quelle eau? Ou bien vous savez que ma faux dort dans quelle eau? Je vois qu'il y a quelque chose dans vos cerveaux qui ne donne pas bien. Il y a quelque chose qui ne donne pas. Peut-être tes mimbangs froissés là. Peut-être tu ne sais pas ce que tes mimbangs froissés là ne te servent à rien. Toi, Amek Amer, écoute, pas syphilis, écoutez les menaces. Tu ne m'as pas compris. Celui qui manque de respect à ma copine, je prends une autre. Et je garde.
je prends une autre et je garde. Je suis un garçon très rancuné avec un mauvais cœur. S'il y a une particularité que j'aime sur moi, c'est un mauvais cœur. Je dis ça mon mal. Parce que c'est la haine qu'il y a dans mon cœur là. Quelqu'un vous dit que s'il y a une particularité qu'il aime sur lui, c'est le mauvais cœur. C'est le mauvais cœur. Il vous dit qu'il est mauvais. Et quand je vois les gens ricaner avec lui, lui faire monter dans le direct, je me demande si vous ne faites pas partie de son mauvais cœur. Quelqu'un vous dit cache que c'est le mauvais cœur, qu'il a le mauvais cœur. Vous faites quoi avec lui? Est-ce qu'il est crédible celui-ci? Ça là, il est crédible, ce petit cuon-ci, il est crédible? Il vous dit qu'il fait dans le mauvais cœur. Donc il est né pour détruire. Et quand il détruit, il n'a pas de remords. Il n'a pas pitié. Il ne titube pas quand il veut faire du mal. Il ne titube pas quand il veut faire du mal. Il dit qu'il peut te détester 10 ans, il dort avec toi. Il dit qu'il peut te détester 10 ans, il dort avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut détester ma femme 10 ans, mais il rit avec elle. C'est ce que tu voulais dire. Ce que tu caches là, nous on va parler. Petit poil, petit un ting-ting. Écoutez, hein. Écoutez très bien ce qu'il dit. Quelqu'un te dit qu'il te déteste, il peut te détester 10 ans. Et il dort avec toi. C'est-à-dire, il rit avec toi. Quand on dit dormir, ça veut dire qu'il peut rire avec toi alors qu'il te déteste. Là, pour faire ce précis, on va te dire que c'est moi, tu ne vas pas comprendre. On va te dire que c'est moi, tu ne vas pas comprendre. Salut, bonjour, ma wife, bonne année. Voilà notre job. On va te dire que c'est moi, tu ne vas rien comprendre. Je suis capable de marcher le serpent dans ma bouche. Je suis capable de mettre le scorpion, mais j'ai gardé la concentration. Il dit qu'il est capable de marcher avec le serpent dans la poche. Rien que pour mordre son ennemi. Vous comprenez avec quoi? Coucou ma tata Solange Mafo. Manve, bonsoir. Il dit qu'il est capable de marcher avec le serpent. Ne m'envoyez pas les messages. Ne m'envoyez pas de messages. Ne m'appelez pas. Parce que quand il fait ces bêtises-là, c'est vous qui encouragez. Ne m'envoyez pas de messages. Parce que je vois les numéros de Mbengla en train de m'envoyer les messages. J'espère que ce n'est pas pour ça. Voilà. Quelqu'un te dit qu'il est capable de marcher avec le serpent. Ça veut dire quoi? Mafo, il est capable de marcher avec le serpent pour te mordre. Il est capable de te détester et il rit avec toi. Moi, je m'adresse particulièrement à toi parce que celle de toi, Cribienne, je ne lui gère pas. J'ai commencé mon bloc avec toi, Mafo, et je vais finir avec toi. Chacun a sa ligne éditoriale. Chacun a son couloir. Donc que quelqu'un ne me titube pas. Et je suis très strict dans mes choix. Donc vos choses que vous allez faire là, allez faire ça loin. Son message est clair. Son message est limpide. Si tu me fais quelque chose, si tu n'as pas répondu là, ça veut dire que la réponse que peut-être vous avez, tu peux résister. Parce que quand je frappe, je te laisse dans un état guerre. Il dit que si tu lui fais quelque chose, il ne répond pas. Le moment qu'il va te frapper, il va te laisser dans le cercueil. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais tu es petit, mon ami. Tu es trop petit. Tu es petit. Tu as compris? Tu es petit. C'est là-bas que, mais comme tu maigris déjà comme quelqu'un qui atteint du VIH là, c'est là-bas que ta part va s'arrêter. Petit pingouin, tu ne peux rien faire. Tu as compris? Va même remuer le mboma, tu ne peux rien faire. Nous, on va seulement venir te trahir ici. On va te dévoiler, toi et tes complices, bande de totos comme ça. Quand on les regarde vraiment,
Attendez. Hein. Et il dit que quand il s'attaque à toi, il n'y a que le cercueil. Donc il est prêt à tuer son ennemi quand il commence à s'attaquer à la personne. Dougoudigue dit que peut-être quand vous comprenez, quand il vous parle, vous ne comprenez pas. Dougoudigue dit que quand il commence avec toi, il est capable de te tuer. Donc, il n'est même pas capable. Il dit que quand il commence avec toi, il te laisse dans un sale état. C'est-à-dire qu'il n'y a que le cercueil qui va te prendre. Vous avez compris avec quoi? Il n'y a que le cercueil qui peut arranger ton problème. Et je tiens à souci. Je ne sais pas perdre, je ne connais pas perdre. Il y a perdu dans ma tête là, ça ne passe pas. Je sais emmagasiner. Merci, ça, c'est bien, attendez, je vais un peu essayer. C'est comme si le volume ne donne pas ici. Je vais bien vous faire écouter ça parce que ce gars, vous jouez avec lui, hein? Vous jouez avec ce gars. Attendez, je cherche la vidéo là. Un petit ting-ting comme ça. Tu parles à qui? Mais Jean, offrez-moi le téléphone, non, Massa. J'ai demandé le téléphone, même utilisé, je ne connais pas utilisé. Maman. Mais le jour où l'angle de frappe se précise, on va te dire que c'est moi, tu ne vas pas comprendre. Celui qui manque de respect à ma copine, je prends le tout. Ta copine, c'est qui? Hey. Je prends et je garde. Ta copine, c'est qui? Déjà, un, tu n'aimes pas les Bamileke. Tu n'aimes pas les Bamileke. Tu as fait ça avec Modestine. Tu as pris Modestine, tu as utilisé Modestine pour insulter les Bamileke. Ta copine, c'est qui? La poilue, là. Celle que la musique lui a dépassée. Celle qu'on n'a même pas envie de parler d'elle là. Je dis qu'elle est sur ma faute, je suis sur toi. Oui. Si tu vois que le problème de cette saleté et ma faute ne te concerne pas, demande-lui d'attendre quand tu vas quitter de chez elle avant qu'elle continue. Tant que tu es chez elle, je te socle. Je te lave et ça ne chauffe pas. Ne signale plus mes directs, hein. Faut plus signaler mes directs. Mettez les cœurs, mes bébés. Ils sont encore signalés. Après, on va voir 600 vues. Parce qu'ils ont fait le travail. Je suis un garçon très rancunier. Avec un mauvais cœur. S'il y a une particularité que j'aime sur moi, c'est un mauvais cœur. Je lis ça pour mal. Parce que c'est que la haine qu'il y a dans mon cœur. On compte sur toi la même dans les réseaux sociaux, son panneau. Quelqu'un vous dit que la haine qu'il a dans son cœur, on compte le nombre de personnes qui a ça. C'est-à-dire, il n'aime personne d'abord. Ça veut dire qu'il n'aime personne. Qu'il a le mauvais cœur. La haine qu'il a dans son cœur, il n'y a pas son deux. Et c'est avec ça que la sale poilue, toi là, je pleure ton sort. Toi, Oshiga, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. C'est-à-dire que tes pleurs, ce qui est arrivé à Modestine, c'est le détail. C'est le détail qui est arrivé à Modestine. Tu sors, tu dis qu'il y a... Il fait ce qu'il sort, il dit qu'il y a les mimbangs du mari de Ndolo Moulema dans son téléphone. Tu vas faire quoi de ça? Tu vas mettre... Tu mets non, mais pour toi, non. Tu crois que tu es le seul à mettre les mimbangs des gens dehors? Tu mets les mimans de celle-là dehors. Tu mets les mimans du mari de Ndolo Moulema dehors. On déclenche une guerre nationale dans Facebook et ça ne va pas s'arrêter. Parce que il faut recadrer vos choses. Recadrer vos guerres. Restez entre vous. Il ne faut pas sortir de là pour prendre les gens qui ne sont pas dans Facebook. Parce que moi, la Lyonne, je ne supporte pas qu'on prenne les gens qui ne sont pas dans Facebook pour mélanger.
Tu mets les, toi, Amekame, tu mets les mimbans du mari de Ndolo Moulema dehors. Je sors, on gâte tout avant d'arranger. Tu as compris? Je crois que je me fais comprendre. Un imbécile comme ça. Le mari de Ndolo Moulema vous a fait quoi? Il a fait quoi? Toi, Ndolo Moulema, je ne te soutiens pas. Ce n'est pas toi que je soutiens. Mais je te dis, fais attention à toi. Parce que même ton mari là, si il arrive que ce qui est dans le téléphone, que le pingouin s'est en train de parler, si il arrive que ce qui est dans le téléphone qu'il a offert à ma pépé, ce n'est pas c'est nul, mais c'est plutôt pour toi. Faut savoir que tu es en train de vivre ce que Lolo a vécu. Faut savoir que ils vont s'asseoir et te détruire. Si ton mari a offert le téléphone sans formater exprès, sans effacer et qu'il n'y avait que tes vidéos dedans, c'est que tu es en train de vivre ce que Lolo. Je ne supporte personne dans ce problème. Je parle que la vérité. C'est que ton mari a offert ce téléphone exprès pour qu'on te détruise avec. Tu as compris avec quoi? Donc, c'était une parenthèse. Donc, toi, en disant Amen Kamer. Si quelqu'un me dit Amen Kamer, je t'apprécie, mais je n'aime pas au chida. S'il y a ton verre quelque part, il te met le poison dedans. Simple. Si quelqu'un te dit Amen, je t'aime, mais je n'aime pas Oshiga. Si à ton verre, je mets le poison dedans. Un imbécile. Toi-même, tu es déjà un poison. Quand on te regarde, tu fais mal aux yeux. Tu es un poison lent. Tu pourris. Tu as arrangé la vie de qui? Partout où tu entres, Amen, Kamer, tu pourris la vie des gens. Tu pourris la vie des gens. Partout où toi tu mets le pied, tu pourris la vie des gens. Est-ce que c'est normal? Tu empoisonnes déjà les gens. Même la fille de Oshigasi, tu es en train de l'empoisonner. Tu pourris sa vie. Tu mets sa vie par terre. Tu es en train de la détruire. Tu es en train de l'émietter doucement. Un peu. Jusqu'à quand elle sera vraiment à terre. Tu as dit que quand tu pars, c'est le cercueil seulement. C'est le cercueil seulement. Naomi dit que quoi? Que c'est à cause de toi que Ndolo Moulema veut tuer compresseur. Je t'ai dit qu'elle soutenait Ndolo Moulema. Est-ce que moi, je t'ai dit qu'elle soutenait? Ouvrez vos oreilles. Ne mélangez pas les affaires de ma pépé et Amen Kamer. Mettez ma pépé en dehors de ça. Moi, je parle de Ndolo Moulema, le mari de Ndolo Moulema et Amen Kamer. Si Ndolo Moulema sort sur ma pépé, je sors sur elle. Donc arrêtez ça. Je suis très clair dans ce que je dis. Je suis en train de parler de Amen Kamer, Ndolo Moulema et le mari de Ndolo Moulema avec Oshiput. Ne me mélangez pas les pédales. Si elle veut parler à ma pépé, je parle. Voilà. Je disais tantôt. Attendez. Il dit que si quelqu'un dit que j'aime, je t'aime Amen Kamer, mais je n'aime pas Oshiga, il va mettre le poison dans le verre de la personne. Les nuits de... Oh, ma mère, il est Sophie. Ces nuits de sort, on la soutient. Oh, et ça ne chauffe pas. Les nuits de personne ne va sortir. Et si tu sors dans le moulin, tu sors sur ma pépé. Je soutiens ma pépé. Et ça ne chauffe pas. Soyons logiques. Allons dans la droiture. Moi, je ne tutube pas mes choses. Hein. Je ne suis pas en train de masquer. Parce que je ne suis pas là pour les vues. Je ne suis pas là. Personne ne met mon crédit. Moi, me voici, je mets mon crédit, je parle seul.
Donc, Amé Kamé, ce que tu as dans le téléphone, tu vas garder ça pour toi. Parce que si ça sort, il y aura une bombe nationale sur Facebook. Facebook va exploser. Toi, Dolo Moulema, si tu sors sur ma pépé, je sors sur toi. Donc, arrangez-vous comme vous pouvez. Allez vous arranger comme vous pouvez. Toi, Amé Kamé, tu dis que si quelqu'un déteste Oshika, tu vas lui donner le poison. Tu l'aimes beaucoup. Tu aimes beaucoup cette fille. Avant de porter la machette sur ses ancêtres, tu as porté la machette sur les Bamileke. Oshi poilu, c'est une Bamileke. Ça veut dire quoi? Si tu portes la machette sur les ancêtres de cette fille, tu ne peux jamais l'aimer. Tu ne peux jamais l'aimer. Je ne demande pas ton avis. Soit tu t'écartes du chemin, soit tu as une grosse bête. Tu es malade ou quoi? Une fille passe la journée, elle passe son temps à nous insulter. Tu lui dis que non, on ne doit pas lui parler parce qu'on te parle. Tu dis que non, on doit laisser qu'elle nous insulte parce que toi, on te parle. Donc nous sommes loyaux envers toi. Mais toi, tu permets qu'on nous insulte. Ne parlez pas mal de ma pépé ici. C'est vous qui venez avec son nom. Ça veut dire que tu acceptes qu'on nous insulte. Mais nous, quand on veut répliquer, tu dis que tu vas mettre le poison dans nos verres. C'est qu'on va... Tu connais Balen? Peut-être les Tchang vont te pardonner. Mais chez nous, là, tu meurs le lendemain. Ça, tu as compris. Si, pour Chila, c'est mon intérêt. Et que toi, tu as compris mes intérêts. Je vois quelqu'un qui me dit que l'alliance soit sage, sort de cette histoire. Je ne suis dans aucune histoire. J'ai répété et je redis. Je dis et je répète. Si les nudes de Ndolo Moulema sortent, ce n'est pas normal. Là, il y aura une guerre dans Facebook. Si les mimbang du mari de Ndolo Moulema sortent, je répète bien, je vais soutenir son mari. Je suis clair là-dessus. Mais si Ndolo Moulema sort sur ma pépé, je soutiens ma pépé, ce qui est clair. Dans la guerre du couple Messang et ma pépé, ça ne me regarde en rien. Mettez la part des choses, je ne suis pas dedans. Donc, excusez-moi avec vos logiques, vos trucs que vous parlez là. Écoutez le direct. Et que quand tu as compris mes intérêts, tu deviens un ennemi. Si elle n'était pas flingue en direct, ça se déjà fait en bas depuis longtemps. Et j'attends seulement pour que le corps tombe. Et je m'en voudrais. Je donne des témoignages. C'est comme ça que je fonctionne. En ce qui concerne les teams dans les réseaux sociaux, je respecte toutes les teams. Je n'ai aucun problème avec aucune team. Aucune. Que ce soit les abeilles, les loulomanias, les... Ouais. Que ce soit les abeilles, les loulomanias. Vous partagez, comme vous êtes sur Facebook là, vous partagez. Celui qui est pour Poussaline. Tu viens, tu commentes, tu ne partages pas. Comment pour tout le même exemple, comment ça va bloquer d'abord Poussaline? Voilà. Bon, maintenant. Il y a déplacé de... Non, il y a d'abord les abeilles de Renker. Il y a déplacé la chancelière. Il a encore le courage de l'appeler Renker, hypocrite. Le royaume de la veuve joyeuse. Il y a l'escarabée de la reine d'escarabée, parce qu'il faut confondre. Il faut confondre, il faut faire la différence entre Ushida, l'artiste, et... Excusez-moi de le dire. Ushida n'a aucune team. Oui. Elle n'a aucune team. Elle a les connaissances qui viennent, qu'elle a donné, qu'elle les a formés pour la soutenir. Les connaissances derrière. Elle n'est pas comme nous quand on est venu dans Facebook connaître les gens. Elle n'a aucune team. Il n'y a pas d'escarabée qui tient. C'est les crabes qu'on piétine, on écrase, on prépare dans le ndolé, on mange. Ok? Y a escarabée. N'importe quoi.
Les crabes qui acceptent que leur patronne vende de leur nu dans leur scie. Eh, dis donc. Dégage. Tout ça pour relier sa poubelle là à ma foe et ma pépé. Tout ça pour la relier sur ces deux gens là, sur ces deux personnes. Elle ne sera rien dans Meta. Tant qu'elle ne sort pas dans sa poubelle de bêtises. J'ai dit, hey, Toli, attendez, hey, Toli, tu viens me saluer. Oh, je suis poilu. Tu viens avec ta page me saluer. Oh, je suis poilu. Si tu es une femme, lance un direct. Non, elle va aller appeler quelqu'un de se connecter avec la page là. Parce qu'on connaît tout ça. La page, si c'est ta page, Toli, si c'est ta page. Tu dis que tu ne nous suis pas, tu ne fais pas ceci. Tu viens faire quoi sur ma page? La page Toli, si c'est elle, c'est son te. C'est elle. Tu n'as pas honte? Vous n'avez pas honte? Oh, celle-là, c'est qui au Cameroun? Mais c'est toujours vous qui venez sur ma page. Vous êtes là en espion. En espion. Sur ma page, sur mes pages. Toli.com, c'est la page d'Oshiga. Elle gère ça avec quelqu'un. Et quand on parle mal d'elle, elle donne, la personne monte. La personne fait croire que ce n'est pas elle. Vous pouvez manipuler qui? C'est la page des ténébreux. Il vient jusqu'à dire que bonjour la lionne. On vous a dit qu'elle racole. Si, Oshiga, c'est mon intérêt. Et que toi tu as compris mes intérêts, tu deviens un ennemi. Si elle n'était pas flingue en direct, ça se l'a déjà fait en bas de plomb. Et j'attends seulement pour que. Vous avez écouté? Si je n'étais pas encore flingué en direct, sachez que j'ai déjà fait ça en bas. J'attends seulement que ça remonte. C'est-à-dire que il a bien massacré dans les inbox, monté toute personne comme Oshi poilu. Jusqu'à maintenant, là, ça sort seulement. Ils sont en train de se dévoiler seulement. Il est en train de se dévoiler seulement. Donc, ça veut dire que même dans les inbox, il peut être en train de nous tuer petit à petit. Mais il rit avec nous. Vous comprenez ça, hein? Et vous êtes son ami. Vous avez le courage. Hein? Vous avez le courage. Hein? De continuer de rester avec ce gars. Voilà la page du Congossa de la lumière. Voilà la page du Congossa de la lumière. Voilà ça. Elle n'a pas de team. Elle publie tout le monde. Mais Toli là, c'est Oshiga. Oui. Vous avez écouté ça? Comment quelqu'un peut être si méchant? Ok, remets le téléphone de quelqu'un, maman. Déjà fini, hein? Pause publicitaire. Si vous avez besoin des vêtements, des perruques, des verres comme celui-ci, si vous avez besoin de vous tuner un peu, si vous faites le commerce, c'est-à-dire que vous voulez acheter en gros, contactez la maison La Diosa Shopping. C'est situé au Carrefour Eto Bonamoussa Diadouala. Et c'est sur Facebook, c'est La Diosa Shopping Online. Vous allez voir ça en haut de mon direct. Pour tous ceux-là qui veulent envoyer de l'argent en Afrique, téléchargez l'application TapTapSend. Utilisez mon code promo Lyon237 pour faire vos transactions Cameroun, Europe, États-Unis et consorts. Donc, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo pour toutes vos transactions. Alors, n'oubliez pas la soirée, la prestigieuse nuit de l'ambiance, acte 2. De notre maf au flore de l'île. Samedi 23 novembre 2024. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas encore commencé. Merci, maman chérie. On n'a pas encore commencé la pub. Maintenant, c'est le chauffement seulement. Quand on va commencer les entraînements de la pub, je vais bien m'asseoir sur Dougoudigui. C'est avec son nom qu'elle avait fait la pub. Et ça ne chauffe pas. C'est avec le nom des gens que tu as vu, non?
Moi, je vais t'asseoir sur toi pour faire la pub de notre soirée avec ton nom. Et ça ne chauffe pas. Soit tu demandes à ta poubelle de nous coller la paix. Soit c'est avec ton nom qu'on veut faire la soirée. Que la publicité de la prestigieuse nuit de l'ambiance, acte 2. Tu n'as pas confiance. You go siam. Dans mes cœurs, n'oubliez pas. Bientôt les réservations commencent. Et vous savez que notre Mafo est ambassadrice à Orange Europe. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes cœurs. Allez encourager notre Mafo dans toutes ses actions. Soulevons-la jusqu'au ciel. Jusqu'à ce que même Dieu dit que hey, vous m'imposez seulement. On dit oui, on t'impose. C'est notre Mafo. Oh, et ça ne chauffe pas. Je dis que soulevons notre Mafo. Oh, celui qui n'est pas content, saute et en l'air. Mon Bertrand sou. Mon Bertrand sou, mon chic, le chic Bertrand. Mon Bertrand d'amour. Mon cœur, mon amour Bertrand. Comment tu vas? Tu vas bien, mon Bertrand? J'espère que tu vas bien. Donc, Amekame, tu n'es rien, tu n'es personne et tu ne nous sais à rien. Tu ne nous fais pas peur. Parce que si tu nous faisais peur, on ne devait pas te répondre. Voilà. Le jour que tu vas nous faire peur, nous, on ne va pas te répondre. On ne va plus te répondre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne nous fais absolument pas peur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je crois aussi entendre que, si je ne me trompe pas, j'ai téléchargé. Oh, je n'ai pas téléchargé la photo des produits de ma pépé. J'ai dû fouiller. Je fouille. J'ai laissé ça en bas. Prochainement, je vous promets, prochainement, je vais télécharger. Parce que c'est depuis que j'ai téléchargé, c'est quand elle faisait la pub. Donc, c'est loin en bas. Donc, je pense qu'elle est invitée à une soirée. Je ne sais pas si c'est un anniversaire du gourou. Igwe. Gourou Igwe. Elle est invitée là-bas. Elle est invitée prestige. Donc, partagez son flyer. Et n'hésitez pas d'aller acheter les produits de notre Mapépé. Là, le 10 de Facebook. Le pop. Voilà. Donc, allez acheter ces produits de glutation. C'est ça, non? Glutation, allez acheter les produits glutation de chez ma pépé. Voilà, encouragez nos mamans, encouragez-les, c'est de ça qu'elles ont besoin. Elles n'ont pas besoin de vos commentaires bizarres. Elles n'ont pas besoin de vos sorties à la con. Elles ont besoin que vous les soulevez. Elles n'ont pas besoin de soutien des gens comme Amer Kamé qui passent le temps à empoisonner les gens. C'est lui qui dit, ce n'est pas moi. C'est lui qui dit non. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Encouragez ma pépé en achetant les produits glutation. Voilà. Donc, mes cœurs, aujourd'hui, je ne vais pas trop durer. Je voulais vous faire écouter les énormités de ce petit tintin qui a décidé de venir faire la comédie devant nous. C'est dommage que certaines personnes tombent dans son piège. Amer Kamé ne peut jamais sauver quelqu'un. Si tu es vraiment dans le trou, si tu es vraiment dans le trou, Amer Kamé ne peut pas sauver quelqu'un. Amer Kamé ne peut jamais sauver quelqu'un. S'il trouve là où il peut te noyer jusqu'à tu die, il va seulement te noyer, tu vas die. Vous n'avez pas encore compris quoi? Les planches qu'il est en train de taper chez la poilue là, c'est son loyer? Si tu devais payer le loyer, il devait payer à combien? Hein? Il devait payer à combien? Donc, mes cœurs, voilà. C'est un peu ça. N'oubliez pas. Oh, Seigneur, je transpire. Excusez pour ma transpiration. Voilà. Donc, je vais vous présenter quelques articles. On fait le commerce, non? Lui-même, il nous insulte pour vivre.
Nous aussi, on va l'insulter pour vivre. Est-ce que ça chauffe? Elle ne chauffe pas. Voilà. Vous avez cette robe comme ça. Hein? Vous voyez, non, mes cœurs. J'achète les produits de ma patronne. Fini le sachet. Oui, achetez aussi les produits de ma faux. C'est Nadège, pardon, rappelez-moi en commentaire. Pardon, écrivez en commentaire. Thème parfaite by Nadège. Voilà. N'oubliez pas d'acheter aussi les produits de notre Mafo. Thème parfaite by Nadège. Vous voyez comment son teint déjà, non? Achetez les produits de notre Mafo. Parce qu'on voit l'exemple sur elle. Et ça dose bien. Ou bien, pompez les cœurs, mes cœurs. Donc, voilà vos robes de chez la Dieu de la Shopping. C'est de ça qu'il s'agit. Hervé Léger. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous présenter quelques petits trucs. Vous avez des sacs comme ça? Vous avez des sacs comme ça? Au bon prix? Voilà. Vous avez des sacs comme ça? La qualité? Bon cuit? Voilà. Je ne vais pas présenter ce que j'ai déjà présenté. C'est pour ça que je traîne un peu. Dans mes cœurs, n'oubliez pas de télécharger l'application TapTapSaint. Utilisez mon code promo Lyon237. Merci. Teint parfait Banadei, merci. Donc, c'est ça. Vous avez des babouches Zara comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Zara comme ça. Hein, très belle. Voilà. Très belle babouche Zara comme ça. Vous voyez, non? Voilà. Vous avez des sacs comme ça? Des petits sacs pour vos balades? Voilà. Donc, et encore... je n'ai pas les talons, le truc. Oh, qui va aller là-bas derrière? Vous avez des sacs à main comme ça? Bon prix? Voilà. Donc, mes amours, je ne vais pas trop mettre long aujourd'hui. Vous avez des petits hauts comme ça, des petits chemisiers comme ça. Turquie, bonne qualité. Le détail est là. Le détail. Voilà. Vous avez des petits chemisiers comme ça. Tiki. Vous avez vu, non? Tiki. Voilà. Il y a les bibis. On appelle ça les bibis, non, mes cœurs. On appelle ça les bibis. C'est pour la tête. Oko. C'est pour la tête. Pour vos soirées de mariage, les cocktails et tout ça. Les petits bibis comme ça. Vous voyez, non? Pour vos soirées de mariage, de cocktails et tout ça. Les bibis. On appelle ça les bibis. Voilà. C'est ça. Nous avons aussi des perruques. Vous-même, vous savez. Excusez-moi, le fait que je transpire. J'étais en ville. Je t'ai livré un truc. Voilà. Vous avez des pantalons comme ça. Vous avez des pantalons comme ça. Des pantalons comme ça. Disponibles en boutique. Il y a des culottes. Comme la dernière fois, je vous ai montré. La dernière fois, je vous ai montré les culottes, non? Voilà les culottes. Il y a les couleurs.
à la devanture. La qualité. Voilà. Donc, si vous avez besoin de n'importe quoi, faites-moi signe. C'était tout pour le moment. Pour tous ceux qui en ont besoin, il y a des robes comme ça. Attendez, je vous montre un peu. Il y a des robes comme ça. Il y a des robes comme ça. Il y a même les tenues pour la plage. Moi, mais j'ai une belle robe. Hein? J'ai une très belle robe. Oui. Très, très belle robe. Hein? Donc, c'est un peu ça. Les tenues pour la plage. Voilà. Vous avez des belles babouches comme ça. Même les chaussures hommes, les tennis hommes, il y en a. Il y en a plein, 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 plein. Regardez comme cette belle chaussure. Authentique boutique. Hein? Voilà, des polos hommes. Ça, c'est l'étagère des hommes. Il y a des montres. Des montres hommes. Voilà. Des stylos. Il y a les noms dessus. Hein? Si vous voulez, on peut graver vos noms sur vos montres. Vous pouvez commander et on grave vos noms. Il y a des bijoux. Voilà. Il y a des bijoux, il y a des lunettes et tout ça. Voilà. Donc, mes cœurs, c'était tout pour le moment. Je vais vous laisser. C'était juste pour vous montrer à quel point. Flora, s'il te plaît, fais le screenshot. Tu m'envoies eBay. Et nous avons des perruques. Nous avons des perruques aussi disponibles. Donc, je pense que je vous ai présenté quelques perruques. Voilà, il y a d'autres qui sont en haut de moi, là. C'est l'original, hein, c'est pas les tchakvou. Voilà. Donc, allez sur la page de la Dioza Shopping. Vous allez trouver tout ça là-bas. Attendez, je vais taguer. Vous allez trouver tout ça là-bas. Donc, la Dioza Shopping. C'est comme ça que ça s'écrit. Donc, mes cœurs, prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine. Oshipoil, tu es sur ma faute, je suis sur Amekame. Et toi, vous deux, je ne vous lâche pas. Et ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mes cœurs, je vous laisse. Bisous, prenez soin de vous et à plus tard. Bisous, c'était des Lions. Ciao.